je vais vous raconter, c'est une histoire toute simple, hein, c'est l'histoire d'un mec qui est dans son espace de travail et qui essaye d'écrire de la danse. Alors pour ça, il a fallu que je commence déjà par écrire une danse. Et pour écrire cette danse, j'ai choisi deux pistes. Tout d'abord, j'ai choisi, je voulais faire une chanson de gestes. Qui ça désigne quelqu'un, donc je vais désigner quelqu'un, un jardin par exemple. C'est, je vais faire un geste plus abstrait, du genre, tu vois, le savoir, la pensée, l'esprit. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Pour le peu, je sais pas, je peux baisser la main pour faire petit, tu vois, peu. Et pour le bien-être, je sais pas, je peux faire un geste comme ça, genre le bien-être, les soins de visage, Non, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, je suis pas vraiment sûr de ça. Non, mais tu crois, Lucas? Je sais pas, On est pas au Lido, hein. Chanson de geste, mais il y a des trucs quand même. Ben quoi? Bah rien, mais je comprends qu'il ait pas envie de rater ce rendez-vous galant. Pourquoi? Bah disons que la cousine elle fait un peu chaudasse quand même. Si tu exprimes un peu de colère, peut-être que tu vas pouvoir prendre un peu de distance par rapport à ta tristesse personnelle, parce que tes états d'âme on s'en fout, et du coup incarner une tristesse en tant qu'interprète. Ouais, je veux bien essayer, hein. Tiens, et puis mets-toi torse nu. Torse nu? Mais pourquoi torse nu Parce que je me dis que pour exprimer la colère, ça peut être intéressant de voir tes muscles se tendre. Tes muscles...